Bonjour, bienvenue au 120 Café, 120 rue de la Pompe dans Paris 16e. Donc, je vous présente le restaurant. Donc, c'est un restaurant très tendance new-yorkaise. Aujourd'hui, je vais vous faire une recette d'un club sandwich végétarien qui s'appelle le Chet Baker à base de tzatziki et de courgettes marinées. Donc, commençons. Du pain de mie, des courgettes marinées. Alors, les courgettes marinées, comment on les fait cuire? On les fait cuire avec de l'huile d'olive, de l'origan, du sel et du poivre. Après, au four, on attend, après, on regarde par rapport à la tête des courgettes. D'un œuf dur, de tomates, de salade et de tzatziki. Donc pour le tzatziki, il nous faut du fromage blanc, du concombre et du sel. Alors, pour commencer, on met les deux tranches de pain de mie à toaster. En attendant, nous allons faire le tzatziki. Donc pour le tzatziki, du concombre et du fromage blanc. Donc le concombre, en fait, on laisse la peau. On coupe un petit morceau. Par contre, il faut enlever le milieu du concombre. On ne garde pas le milieu. Après, on le râpe. On rajoute un petit peu de sel. Et on mélange. C'est super simple à faire. Oui, tzatziki, très, on peut l'acheter, voilà, on peut l'acheter au supermarché déjà tout prêt, mais bon, c'est vraiment très très simple à faire. Les toasts, alors après, voilà, les toasts c'est pareil, c'est en fonction de comment on aime, si on aime très grillé, pas trop grillé. Donc là, on a pris une cuisson moyenne. Alors, tout d'abord, on les tartine de tzatziki. On en met une bonne dose pour que ça donne vraiment du goût, pour que ce soit meilleur. Donc après, on prend la salade. On la met seulement sur une... Tu vois là, pareil, la salade, on mélange du mesclun et des petits épinards. Vous pouvez prendre de la laitue, ce que vous aimez comme salade, en fait. Donc juste à un côté, on met de la salade. On met les tomates. On coupe l'œuf dur en tranches, en fait. Voilà, on prend vraiment les parties où il y a le jaune, c'est meilleur. Voilà. Et pour finir, on met les courgettes marinées. Alors, donc voilà, donc on prend l'autre tranche, on la met par-dessus. Et on coupe pour faire un joli club sandwich. C'est la seule étape délicate en fait. Ouais, plus ou moins, mais ça voilà. Et après, on dispose dans une assiette.